Bokerto, mes amis, Bokerto, Bokerto. Après ces fêtes extraordinaires, on ne peut que s'élever, on ne peut qu'avancer, on ne peut que encore aller plus haut, aller plus haut. On ne peut qu'aller plus haut. Naron ? Eh ben voilà, mon tzadik, aller plus haut. Baruch Hashem, Bemet Kol HaKavod. Si Ben Danan était déchaîné, déchaîné, Blainara, quelle fête, quel. Bah, c'est, ils se sentent plus libres quand t'es pas là. Kol HaKavod, maintenant on arrive à des fêtes extraordinaires. Mais ça marta bechagecha. On arrive à Chag HaSukkot, Hoshana Rabba, Simcha Torah, l'apothéose. Ce son et ça sera Bezrat Hashem. Des jours de joie remplis de contenu, avec du vrai contenu. Omer Aramutsafi. Ayamim Sheben Yom Akipurim et Chag HaSukkot. On parlait ce matin à la Halakha, les jours que l'on a, ces quatre jours que l'on a, de Yom Kippour jusqu'à Sukkot. On est en plein dedans. Kedoshim Hem. Kedoshim Hem. Toi, tu crois que tu es dans le Chol. On est encore dans la Kdusha. On est encore dans la fête. On est dans la fête. Veillez mes Simcha Hem. Ce sont des jours de grande joie. Ce sont des jours de grande joie. Bah, t'as l'aider à la main. Alors, on va continuer le rab. Badaï, on va continuer ce qu'il dit le rabbin. Tu sais pourquoi ce sont des jours de joie? On n'a pas pu développer. Pourquoi ce sont des jours de joie, il dit le rabbin? On est propre, on est nettoyé. Mais plus que ça. Quand on arrive dans la fête, on a des mitzvot de la fête. On doit prendre l'arbatamini. Je dois les faire. Que tu veuilles ou pas, tu dois les faire. N'importe quelle fête dans laquelle tu arrives, tu as des mitzvot à faire. Tu viens le matin, tu vas mettre tes tignes, ainsi de suite. Là, on a 4 jours où on va préparer la fête. On va préparer les mitzvot. Préparer les mitzvot. C'est ça le plus important. Voilà d'où vient la simcha. La préparation aux mitzvot. Alors qu'on n'est pas à Mechouyam encore du loulav, du etrog, d'arbataminim. Mais on va les préparer. On les attend avec impatience. La souka, on va la décorer. Et chacun, comment il y a sa propre décoration. C'est magnifique de voir les soukot de chacun. Ça montre un peu la personnalité de chacun aussi. Non ? Ah, la décoration, comment elle est faite, comment elle est décorée, comment la souka, elle est belle. Ça montre un peu la personnalité des gens. Et les unes plus belles que les autres, Baruch HaShem. Aime, yeme, simcha. Tu mets. J'ai habité pendant 6 ans. C'est pas des religieux du tout. Et chacun fait sa souka. Ils rentrent pas, ils juste pour s'amuser. Ils vont pas manger là-bas. Bon, au moins ça. Au moins ça. La souka, ils mettent des choses, ils s'amusent avec. Au moins ça. Au moins ça. Alors, Bémet, tu rentres à la maison, tu mets la musique à fond, t'es dans la voiture, tu mets comment tu mets Avram Fried. Ah. Tu ferais écouter des musiques, mon ami, hier, on s'est éclaté. Après Kippour, on a fait encore un. Jusqu'à minuit. On a resté jusqu'à minuit avec la musique. Et tu sens comme ça le Shefa d'Hachem, tu sens l'abondance, tu sens la lumière, tu sens la Kdusha, tu sens la Tahara, tu sens la proximité avec Akadosh Bou. On sort de Kippour et maintenant, on rentre dans la fête. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'elle est bonne la Torah. Qu'est-ce qu'elle est bonne la Torah. Qu'est-ce qu'elle est bonne à Avodat Hashem. Comme il est bon à Kadosh Baruch Hu, combien il nous aime, combien de Tova il nous fait, combien de bonté il nous donne. Hein, on s'est dit, je le voyais, il n'était plus là. Et toi, il fallait qu'on te ramène. Je l'ai attaché, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai attaché à son siège. Je l'ai attaché à son siège, Abi David. Il n'était plus là, je le voyais là-haut. Il nous regardait d'en haut comme ça. Ah, vous n'avez rien vu, mais je t'assure que c'est vrai. Je te dis, il était juste devant, mon Sadik. Ouais, bah, exactement. Non, mais c'était pratiquement ça, mon Sadik. Il est pas encore tombé, il est encore là-haut. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Tu vois ? Il est en train de planer. C'était extraordinaire. Et on est dans ça. Allumez la musique. Mettez la simcha. On est à la simcha. C'est la simcha. C'est une joie extraordinaire. Quand on dit Ata Becharitanu Mikol Ha'amim, on va le redire dans la tefila, dans la prière de défaite. On l'a dit à Kippour, on l'a dit à Rosh Hashanah. Ata Becharitanu Mikol Ha'amim. Mais ton Ata Becharitanu, tu dois t'arrêter dans la tefila pendant 3 quarts d'heure et répéter que cette phrase. Je l'ai dit, je l'ai traduit en français. Ata Becharitanu. Tu nous as choisi, Mikol Ha'amim, parmi tous les peuples. Quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau Hachem nous a fait. Regarde c'est quoi les fêtes d'Israël, regarde c'est quoi les fêtes d'Israël, regarde c'est quoi les fêtes d'Israël. Comme elles sont belles. Les Avdil, sans comparaison aucune, d'accord. T'as vu toi aussi, Nachman, la vidéo. T'as vu la vidéo? Ils ont une fête chez dans un certain endroit. Pour ne dire que d'eux, c'est en Iran. Ah, quand ils tournent autour du caillou, là? Non, tzadik, ça, ils font comme nous. Non, ils prennent. Ils ont un truc, c'est de se. Tzadik, avec des haches.
Ils se font saigner, ils se font saigner pour le prophète que je sais pas qui est mort, hein, je sais pas qui. Pas le prophète, pour un deux. Oui, en Iran. Ils se font saigner, ils saignent sur la tête. Voilà, il connaît, c'est chez eux, lui aussi, un peu comme ça des fois. Voilà, lui c'est quand il a pas sa Kaila, il fait comme ça sa femme. Mais il a pris ça de Perse, d'accord. Mais et les femmes elles sont là. Oui, tout à fait. Et les femmes elles sont là, et elles se jettent de la terre sur les, elles sont toutes en. Ah, c'est que c'est. Ata becharatanu mikol amim. Ata becharatanu mikol amim. Regarde comment Kadosh Baruch Hu regarde Israël. On est là. Costumé, parfumé, beau, coiffé pour certains, pour qu'il reste des cheveux. D'accord ? Coiffé. Et on est avec notre arme. Le loulav, le etrog, le hadas, la araba, beagouda, achat, oshan araba. Et on chante le halel. Mais qu'est-ce que c'est ? Attends, becharatanu mikol ha'amim. Rien que ça, tu te lèves le matin, mon fils, mais ta vie, elle est différente, ta journée, elle est différente. Le marché, il est déjà installé, le marché. Complètement, mais il faut marcher dans le Derech HaTorah, faut marcher. Ça n'a rien de reste. Et donc, il dit, le Rav, c'est tellement important ces jours de Simcha, qu'on ne fait pas Tachanoun. Dans la halakha, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas les supplications. Jusqu'à la fin du mois. Par contre, Moutarim Betanit Yachid. Par contre, si quelqu'un il a fait un mauvais rêve et il prend celui de faire un jeûne pour annuler son mauvais rêve, il peut le faire, même si c'est des jours de joie. Et là maintenant, écoutez bien. Le Rav nous ramène les paroles du Harizal. Omer Harizal, Kikdushatam umalatam gdolam mishum shlarishona beshana chadasha nichnasim achasani besfirat amalchut. Il explique maintenant de manière ésotérique. Pourquoi est-ce que ces jours, ce sont des jours de joie? Parce que vous savez qu'on a les 10 sphères. Et il nous explique le Harizal que les chassadim, les bontés que l'on a maintenant après Yom Kippour, c'est la première fois où elles vont rentrer dans la dernière sphira, celle qui nous concerne le plus, c'est Malchut. Malchut, c'est elle qui contient en elle la dernière émanation de la lumière d'Hachem, de Retzon Hachem, la volonté de Dieu, qui va la donner aux êtres de la Torah, qui va la donner à Olam Hazeh dans ce monde-là. Et donc en fait, ici, lorsque maintenant... Malchut, la royauté qu'on dit, elle va transmettre le Shefa d'Hachem, l'abondance de Dieu. Quelle abondance elle va nous transmettre pendant ces jours-là? Chassadim. Parce qu'elle se remplit de chassadim. Elle se remplit de la bonté de Dieu. Et là, donc, elle va projeter ça. Ça va être donc une projection de toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu. De toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est un jour de... Ce sont des jours de joie. Vamekoubalim. Kadvou. Shekdushatam ki mechola moed. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il disait, Mekoubalim, que ces jours-là que l'on a, les 4 jours que l'on a maintenant, là, jusqu'à Soukhot, ils ont la même Gdoucha, la même force, la même puissance spirituelle que Chol HaMoed. Simplement, ce n'est pas Chol HaMoed officiellement, mais c'est comme Chol HaMoed. Les Fichen, Ben Yom Kippour et Ben Yom et Soukhot. Vagaon Milvilna. Qu'est-ce qu'il aime le Gaon, Rabbi Daniel. Vagaon Milvilna Zatzal, Katav. Shehem Dubim Bemikzat, Liyom HaKippourim. Lui, le Gaon, il dit... Il ressemble un petit peu à Yom Kippour. Pourquoi un petit peu? Parce qu'on mange, on boit, on va, on allume, on fait. Aval, mitzvah d'Akdusha chez la haine. Par rapport à la sainteté de ces jours-là, c'est encore la sainteté qui nous. Quand tu vois Rabbi David, tu comprends. Ça veut dire que voilà, c'est pour ça qu'il est encore dedans. Quand tu vois Rabbi David, tu as compris. C'est encore dans Yom Kippour, on a encore l'Akdusha de Yom Kippour. Mais la haine, c'est pour cela. Inag, Ba'em, Bira ou Bechabod. C'est pour ça que l'on doit se conduire pendant ces jours-là, Rabbi Michael. Avec crainte, avec kavod, mais surtout avec une simcha yetera, avec une grande joie. C'est bon jusque-là? Ok. Alors tout ça, on le savait, on le connaissait, on le répète tous les ans, c'est pareil. Mais bon, comme Dieu a créé l'oubli, c'est pour ça que j'ai encore mon travail, et j'ai encore mon boulot. Baruch HaShem. Voilà. Vous n'êtes pas touché? Je risque pas de le perdre, parce que vu votre mémoire, mes amis, on a encore quelques années ensemble, hein, Ezrat HaShem. Mais bon. Vous n'êtes pas touché? Ah ouais. Si, tu vas voir. C'est fait exprès, ah oui, HaShem il pense à nous. Par l'oubli, vous n'êtes pas je ne t'oublierai jamais. Jamais. Vous, vous n'êtes pas touché. Jamais. Si, on est tous touchés par l'oubli. Mais on oublie ce qu'on veut oublier. On retient ce qu'on veut retenir. Voilà. Comme dirait. Et blanc. Messieurs, alors maintenant on va prendre un Khidush Hatsum. Khidush Hatsum, vous êtes prêts? T'es prêt, mon tzadik? Khidush. On a expliqué pourquoi ce sont des jours de joie exceptionnels, particuliers. On l'a vu, on le revoit, on l'a dit. Magnifique.
Qui ici peut me dire pourquoi particulièrement ces jours sont des jours de Simcha, à part tout ce qu'on a raconté? Une raison. Il y a une raison qui fait que... Mais c'est normal en fait. Dieu a pardonné, on est content, j'aime bien. Non, mais c'est pas ça. Il y a deux choses, Dieu. Il nous a pardonné, il nous a purifié. Magnifique. On ressort de Carwash et donc j'ai vu une super image qui dit que quand tu as une voiture, elle est la plus belle quand tu la laves, mais le plus important c'est quand tu vas sortir du Carwash. Donc là on a été pardonné, on a été purifié, donc maintenant il faut garder cette pureté. Et donc, c'est quoi? D'où vient cette simcha? Elle dépend pas de toi, cette simcha. Elle dépend pas de nous. Elle est. On arrive au mariage. Joli, c'est très joli. Comme j'ai dit ce matin. On n'a pas le temps de fauter. C'est joli aussi. C'est joli. Oui. Très joli. C'est un vide juridique. Hein. C'est un vide juridique sur les fautes qu'on peut faire. Il n'y en aura pas. Normalement. Et si tu insistes, on peut s'arranger. Oh, d'accord. Non, et si on a, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment elles sont? Elles rentrent dans quoi? Exactement, rien fait. C'est joli aussi. Mais là, on va parler de quelque chose qui ne nous dépend pas de nous. C'est un fait. Pas d'explication. Mais si, on va de la demander, l'explication. Hachem nous a pardonné. Oui. Rien dit. C'est aussi joli, hein. C'est aussi bien. Rachid, en plein endroit, il dit. Je sais pas le pirouche. Même sur ça, t'as un salaire, mon fils. C'est parce qu'à Kippour, on est monté dans une certaine sphira, qu'on est encore dans cette sphira-là, et qu'on va mettre du temps à redescendre. Magnifique. C'est très joli. Écoutez bien. C'est comme à Soukhov, on va. Non, mais c'est joli. C'est joli. Écoutez bien, messieurs. Vous êtes avec moi? Et là, j'espère en tout cas que ça va changer encore, ça va agrandir, pas changer. Ça va augmenter notre conscience de ces jours magnifiques que l'on a. Comment? En fait, qu'on est des invités dans la Souka à chaque fois. C'est joli. Mais là, on parle de là maintenant. Là. Avant même. Pas mal. Mais écoutez bien. Il y a une Gemara. Vous savez que j'hésitais à la faire, cette Gemara. J'hésitais sur cette Gemara. Bon, la Gemara, ils ont moins de Katan, d'Aftet, Amoud. Non, j'ai dit cette année tout à l'heure, j'ai dit ça lève cette année. Bon. La Gemara dans Moed Katan d'Av Tet Amoud Alef, elle dit comme ça. En Mervin Simcha Besimcha. Il y a un klal, on n'a pas le droit de mélanger deux smachot. Par exemple, si tu as tes deux filles à marier, tu ne fais pas le mariage en même temps. Tu as deux brites Mila, tu as des jumeaux, tu ne fais pas la brite en même temps. Tu attends 4 heures, tu attends 5 heures, tu attends 2 heures. On ne fait pas en même temps. Lama, Yesh Klal. Comment? Oui, bien sûr. En Mervin Simcha Besimcha. On ne mélange pas une joie avec une autre. Et c'est tellement beau cette idée, c'est que chaque joie, elle doit avoir sa propre entité. Son propre moment. J'aime, c'est ça que je veux. Ça, c'est du son fait. Propre moment. Niveau des joies, lui, il connaît. Hein. Tu veux faire une petite soirée sympathique, c'est lui. Hein. D'accord. Un truc et cotillon, c'est chez lui. Hein. Comment? Il y a ce lien de donner le cabot à la fête ou à la chose, mais aussi la simcha elle-même. Parce que quand tu aimes un rêve, simcha be simcha, alors, l'intensité de la simcha, elle n'est pas la même. Il faut donner à chacun, à chaque chose, sa joie. Et là, on pose la question dans le Moed Katan. En Marvin simcha besimcha minalan. D'où est-ce qu'on apprend et d'où est-ce qu'on sait cette halakha qu'on n'a pas le droit de mélanger une fête avec une autre? Tu as deux enfants qui ont fait, ils sont nés le même jour. Tu fais deux gâteaux, un à 5 heures et l'autre à 6 heures. Pas en même temps. Tu ne mélanges pas les deux joies. Bon, personne ne fait ça, mais on s'est compris. Dirti, il y a écrit. Vaya Shelomo Baetai et Achag Vechol Israël Imo Kaal Gadol Minabo Hamat Ad Nachal Mitzraim Lifne Hashem Lokenu Shivat Yamim et Shivat Yamim Arba Saryom. Lorsque Shlomo Amelech il a construit le premier temple, il fallait faire Hanukata Bait, il fallait faire Hanouka, inauguration du Bet Amikdash. Alors Shlomo Amelech, il a pris avec lui le peuple. Et on a fait la fête pendant 14 jours, 7 jours et 7 jours. Il n'y a pas écrit 14 jours, hein, je répète. Il y a écrit Shivat Yamim, Ve Shivat Yamim. 7 jours et 7 jours. Et après, on dit en tout 14. Ok. Migdektiv, Arba Asarium, Shivat Yamim, Ve Shivat Yamim, la Mali. Puisqu'à la fin, le texte, le Nahi te dit qu'il y a eu 14 jours de fête. Alors pourquoi avant, tu me dis qu'il y a eu 7 jours et 7 jours? Je n'ai pas compté. 14 jours de fête. Il y a eu 7 jours de fête et 7 jours de fête. Shmamina, Hanel Echoud, Hanel Echoud.
De là, je comprends qu'il y a eu 16 jours de fête pour eux-mêmes, 16 jours de fête pour lui-même. Amarabi. Donc, on n'a pas mélangé les fêtes. On a mis et on les a séparés. C'est qui eux-mêmes? Non, je n'ai pas compris. Mais 7 jours. Il y a eu 7 jours pour Shlomo HaMelech et ça, et entre eux, mais ça court. Et après, il a fait 7 jours avec le peuple. Donc, il y a eu un moment de 7 jours et un autre moment de 7 jours. Mais les fêtes n'étaient pas mélangées. Les deux fêtes, les deux joies n'étaient pas mélangées. Inauguration du Beth Amikdash. Non, inauguration du Beth Amikdash. Venez, on termine, toutes les questions, c'est après, Tzadik, comme dans la Gemara. Venez à partir. Venez à la Gemara. À partir du moment où on va faire Sota, venez tous les matins à la Gemara et vous allez voir. Il y a un klal dans la Gemara. On termine et après on parle. On n'a pas fini la Gemara. Amar Rabbi Pinchach, Amar Rabbi Yochanan. T'as déjà entendu Rabbi Pinchach, Parnach? Parnach. Non. Voilà. Amari Parnach Mirkanan. Otashana. Lo Asu Israël Yom Kippourim. L'année de l'inauguration du Beth Amikdash, c'était en Tishri. C'était en Tishri. Et c'est la seule année où Am Israël n'a pas fait Yom Kippour. Vada, et on a mangé, on a fait des festins. Tu le savais? Tu le savais? Tu le savais? Là, non, c'est tout le mois, mais c'est tombé pas. Il y a Kippour dans le mois. Il y a Kippour au mois de Tishri. Et donc, puisqu'il y avait Kippour, on n'a pas fait Yom Kippour pour l'inauguration du temple. Il n'y a pas eu Kippour. On a mangé, on a bu, on a fait la fête. Il n'y a pas eu Kippour. Il n'y a pas eu besoin. Kodesh Kodashim. On vient de construire la maison d'Akadosh Bor. Vayu Doagim Omrim Shuman Itraïvus Sonem Shisrael Kelaya. Alors, le Ham Israël, ils ont eu peur. Comme la réaction. Regarde, toi, t'es un vrai Ben Israël. T'es un vrai Ben Israël. Regarde, ils ont eu peur, ils sont entrés à la maison, ils étaient comme ça, ils disent, attends, normalement, on fait des tfilotes. Il y a Kapara, Slicha, Mechila, Azazel, Azriel, le Kenyon, il y a tout. C'est bizarre. On n'a pas fait, et ils ont eu peur que cette année, c'était extermination du peuple juif. On n'a pas expié nos péchés. Il n'y a pas eu Kippour. Yatztabat kol. Une voix céleste est sortie du ciel. Ve'amra lahem. Kulchem muzmanim lechaya olam haba. Mais vous êtes fous. Vous avez construit la maison d'Hachem. De là où tout le Shefa va descendre barolam. Vous avez Yom Kippour. Yom Kippour est entré dans le Bet Kotcha Kodashim. Mais là, c'est le Beth Amikdash entier que vous avez construit pour Akadosh Baruch Hu. Une voix céleste, elle est sortie. Elle a dit, toute cette génération-là, vous êtes tous, Mouzmanim, invités après 120 ans au monde futur. Maï Darouche, on va dire, c'est quoi la dracha qu'on a fait là-bas? Amrou, qu'est-ce qu'ils se sont dit, eux, là, en Israël, pour se dire, bon, attends, on a peur, il faut qu'on... Amrou, Kalva Chomer. Ils ont fait un Kalva Chomer, un travail a fortiori. Uma Mishkan Shen Gdushato Gdushatolam Vekorban Yachid Doche Shabbat Deisoskila Migdad Gdushato Gdushatolam Vekorban Tzibur Vyom Kippourim Deranush Karet Lokol Sheken. Ils se sont dit, si déjà qu'on n'avait pas le Beth Amikdash, on avait le Mishkan, le sanctuaire, d'accord, c'était le sanctuaire. On avait à Shiloh, on n'avait pas encore le Beth Amikdash à Yerushalayim. Donc quand on avait le Mikdash et que la sainteté du Mishkan n'était pas pour l'éternité, puisqu'on savait qu'on devait rentrer à Jérusalem, construire le temple pour Dieu. Et malgré tout, le korban yachid, si tu amènes un korban pour toi, Shabbat, c'est doché Shabbat, c'est doché Shabbat, ça repousse le Shabbat. Tu as le droit d'amener un korban yachid pendant Shabbat. On peut pas, on n'a pas le fait d'égorger, on peut pas le sang, on peut pas brûler. Tu as le droit pendant Shabbat. Et ça enlève donc le issue ce qu'il a. Quelqu'un qui est mechalel Shabbat, ce qu'il a. Là, la gdusha du Mishkan, elle est moindre, puisque c'est pas pour l'éternité. Et malgré tout, on te dit que Shabbat, tu as le droit d'amener un korban pour toi, hein, pour expliquer quelque chose. Migdash, alors le Beth Amikdash, que la gdusha du Beth Amikdash, c'est une gdusha, c'est une sainteté éternelle. Ashrina lozaza misha, même si le Beth Amikdash a été détruit, la Ashrina, elle est toujours là-bas. Vekorban Tzibur, et là on a amené dans le Beth Amikdash un Korban Tzibur, on a amené pour le Tzibur, on a amené pour l'assemblée. Viom akomi donesh kered lokol sheken, et Yom Kippour, que si on l'enfreint, c'est... Si on a frère un Kippour, quelqu'un il mange un Kippour, quelqu'un il prend la voiture Kippour, Khayav Karet, retranché du peuple juif, à plus forte raison. Alors d'où on sait qu'après, Bemet, on les a apaisés. Des Tane Khalifta. Bayom Hashemini, Shalach et Tame, Bukhay et Tamele, Vayel Khoulé, Oloem, Esimichim et Touvé, Lev, Alkol, Atova, Asher, Asa, Hashem, David, Abdou Israël, Amo.
Il n'y a écrit que le huitième jour, il y a eu 7 jours de fête. Le huitième jour, alors Shlomo HaMelech, il a renvoyé le peuple, chacun dans sa maison. Et chacun, avant de partir, il a béni le roi Shlomo HaMelech. Ils sont tous rentrés chez eux, mais tous les vaves. Ils sont rentrés avec un cœur heureux. On a construit le Beth Amigdash dans la maison d'Hachem. Il y a écrit les Aolhem. Ils sont entrés dans leur tente. Bon, c'est pour dire leur maison. Shalchu umatsum neshehem betara. Pourquoi on te dit qu'ils sont entrés chez eux? Ils étaient heureux. Regarde ce qu'il y a écrit. Betouvel Evav. Ils étaient contents. Ça va plaire à mon petit Dabou. C'est pour toi, Shemitem. Parce qu'ils sont arrivés chez eux à la maison. Et tous les hommes qui sont entrés chez eux, leur femme était permise. Personne n'était. Aucune femme n'était Nida. Voilà la joie qu'ils avaient. Je suis rentré de voyage, c'est open bar. Combien de fois mon Rabbi Dabou t'es rentré et c'était pas bon? Combien de fois t'es resté la queue entre les jambes, Sadik? Eh ben voilà. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Messieurs, c'est pas marrant. C'est Emmet. Lorsque la Gemara, elle vient, elle te dit, mais tout les vaves. Ils étaient rentrés chez eux, ils étaient heureux. Tu dis heureux, pourquoi ils sont heureux? Ils sont heureux parce qu'ils ont fait la tuila, parce qu'il y avait le Betamigdash, parce que... Non, la Gemara te dit, la Gemara n'a pas peur, Kharim, ils n'ont pas peur des mots. Ils étaient heureux parce qu'ils sont rentrés chez eux, tous les hommes d'Israël, tous. Et les femmes étaient permises. Ah, khalouf, toi. Smechim, ils étaient smechim. Sheneenu, Mizi, Vashrina. Et ils étaient, bon, tu savais, tous les bas. Smechim, ils étaient heureux, pourquoi? Parce qu'ils étaient au Betamigdash et ils ont profité, et ils ont pour la première fois profité de la présence divine. On a vu Hachem Kabiakol. Mais tu voulais pas chez Kol Echad Vechan Itarba Ishto Beben Sacha. Et il te dit, une deuxième chose, pourquoi tu voulais pas? Ils étaient heureux dans leur cœur, parce que non seulement ils ont trouvé leur femme qui était permise, mais de cette union-là, toutes les femmes sont tombées enceintes d'un garçon. Voilà. Toutes. Moi aussi je savais. C'est les bons souvenirs, hein, toi. Alcool à Tova. Alcool à Tova. Surtout le bien que Dieu lui a donné. Chez Atsta Batkol, après cette filote qu'on a fait, après ce kippo qu'on a fait, mon fils, on arrive à. Chez Atsta Batkol, Vamra Lahem. Et pourquoi donc ils étaient. Bémet Alkol, la Tova. C'est quoi la Tova que Dieu leur a donnée? Sur la voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit: vous êtes tous invités, après 120 ans, oh là, m'abat au monde futur. Mais les gars, tu te rends. Ça veut dire qu'ils ont vécu quelque chose que personne n'a jamais vécu de sa vie. Voilà. Et ce qui est magnifique, et c'est pour ça que je vous prépare. C'est qu'on va tous le revivre, mon tzadik. Là, nous, toi, moi, on va tous le revivre. Le troisième. Il y a que toi qui t'intéresse, toi. Tzadik, il va falloir d'abord venir au Beth Amikdash, faut pas attendre à la maison. Quand on va construire le troisième Beth Amikdash, là, Bimera Biaminou, de notre temps, nous, on va le construire, Bezrat Hashem. On va revivre mille fois plus. Ta femme, c'est pas un Ben Zahar, elle va faire des six téplés, là. Six. Comme en Égypte, mon Sadik, comme en Égypte. Alors, messieurs, on termine, écoutez bien. Quel Gemara, mercredi soir. Amen. Nimtsa. Et donc, Nimtsa. Omer Aramutsafi. Messieurs, après on discute de nos femmes, quand est-ce qu'elles sont permises, pas permises. Après, chacun sait avec ses histoires. On calculera ensemble. Messieurs. Ah, bref. Sadik, chacun avec sa femme. Après, plus tard. Nimtsa. Omer Aramutsafi. Nimtsa. Eyot Yamimele Emivesimcha Shel Chanukah Bet Amigdash Arishon. Du premier Tishri jusqu'au 14 du mois. C'était Chanukah Bet Amigdash. Tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Du premier Tishri jusqu'au 14 du mois. Le 15 c'était Sukkot. Ça a été l'inauguration du premier temple. Avec tout ce qu'on vient de lire et tout ce qu'on vient de mentionner maintenant. Bimishlomo Amelech, Bechen Katav Rav Avram Chidekel, Chidalik, Sefer Aminagim, Ben Kippour et Sukkot, En Noflim Tachanun, Shen Nishlam Abinyan. Il dit, lui il a raison, qu'on ne met pas Tachanun, c'est pas parce qu'on sort de Kippour. Il dit, parce que c'est l'élévation du Beth Amikdash. Aïe. Comment tu n'as pas dit ça d'ailleurs? C'est Mishkan comme ça. Et donc, messieurs, on a une nouvelle raison. Voilà pourquoi ces jours sont des jours extraordinaires. Alors faut prier ces jours-là. Kadash Baruch Hu. Akadash Baruch Hu. Quand tu fais Bonne Yerushalayim, Amachazir, Shekhinato, Letzion. Notre fila a encore plus d'impact puisque dans l'histoire, ça a été maintenant inscrit. Chanukat Beth Amikdash. Alors c'est vrai, attention. On sait que le premier, il a été inauguré pendant Tishri, d'accord? Non, Tishri le premier. Le premier, c'est en Tishri, d'accord? Mais le troisième.
Le troisième Beit Hamikdash, on le sait comme ça, c'est Masoret Beyadenu. Ça sera Bemar Cheshvan. C'est ça qu'il appelait Mar Cheshvan, parce qu'il n'y a pas de fête. Mais alors pourquoi Hachem il l'a laissé? On avait fait le cours sur ça, vous vous rappelez pas? On le refera, c'est magnifique. Ben Issachar, c'est pas grave, on le refera. En tout cas, ça sera le mois de Cheshvan. Pourquoi il l'appelait Mar Cheshvan? Il est amer, parce qu'il n'a pas de fête. Mais pourquoi Hachem il l'a gardé? Hachem il a gardé ce mois-là pour que ça devienne un des mois les plus, et le mois le plus joyeux, puisque c'est le mois où Frère Chanukat Abayit Hashlishit, la libération du troisième temple. Alors dans ces jours-là, il faut prier, prier Bezrat Hashem et de Simcha, Kakadosh Bohu, Bimera Beyamin, de notre génération à nous, que nous puissions nous réjouir à monter à Jérusalem, à construire le troisième Mikdash, avec le Mashiach. Messieurs, cette joie elle doit être débordante. Faites-la déborder dans vos maisons. Mettez la musique, dansez avec les enfants, dansez dans la soukha, dansez dans la préparation de la soukha. Que Bezrat Hashem, je parle pour moi, je parle pour vous, je parle pour nous, qu'on montre à nos enfants que les mitzvot que l'on accomplit, que la Torah, qu'on la Vodat Hashem qu'on accomplit, c'est pas pesant, c'est pas triste, c'est pas lourd, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a pas plus merveilleux que de servir à Kadosh Baruch Hu.